Eh bien salut tout le monde, c'est Varlox, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur The Evil Within 2, The Evil Within 2. Et là apparemment on doit aller affronter Théodore. Ah, non c'est pas ça que je voulais faire, mission. Chapitre... Attends, je peux rejouer celui-là? Non. Escalader la forteresse de Théodore pour l'affronter, et je sens que ça va pas être facile. Je sens que ça va être la merde. Parce que Théodore là... Statuette? Non. T'aurais pas des balles pour moi. Enfin, pas trop, parce qu'après, ça fait signe de boss. Là-bas, il y a une bouteille, on dirait. Et d'ailleurs, il me reste combien de bouteilles? Une? Ah, j'ai plus de bouteilles! Oh, la blague! Alors, je vais pas trop avancer, je vais fouiller comme ça. Voilà, une bouteille. Parce que je les ai éclatées contre les ennemis, donc... Encore une bouteille. Ça sent la furtivité pour moi. Il y a encore un truc là-bas? Non. Alors j'ai rien contre les signes religieux, hein. J'ai rien du tout, hein. Je respecte toute religion, mais je déteste sa religion à mettre du sang partout. Hein. Ça c'est pas une religion pour moi. Bon, je vais me soigner vite fait un coup. Ah c'est ma dernière seringue, ah ça fait mal, ah ça pique. Ça pique, ah t'as compris non? Qu'est-ce que c'est? Ah! Ça fait plaisir par contre de mettre des fleurs, là j'accepte la religion de fleurs. Mais pas dans un endroit comme ça mais bon. Il va me parler après encore, j'imagine. Oh, regardez ça, quoi. Ça sent le boss. Ah, par contre, il y a un truc, c'est une fleur là-bas. Et pas une petite statuette, ça ferait plaisir. Alors, je vous rappelle que dans le jeu précédent, il y a eu 15 chapitres. Je crois que dans ce jeu-là, il y en a 16, mais je suis pas sûr. Je me suis renseigné vite fait. J'ai tapé dernier chapitre, bien sûr, j'ai pas regardé. Hein. Je suis pas spoil. Et ça m'a mis chapitre 16. Alors je ne suis pas sûr que c'est ça. Par contre le jeu là il est beaucoup plus long que le 1. Là il va me parler, je le sens. La zone où est-ce qu'on est. Là je peux me fabriquer une seringue. Avec ça. Mais une seringue ça sera pas suffisant hein, pour affronter je pense. Alors je vérifie les armes vite fait. Ok, là j'ai plus rien, là j'ai plus rien. Carreau harponneur, je pense qu'on va prendre. Ouais, ça va être ça. Non, attends, j'ai pas fini. Après, sinon, là il y a encore des balles dedans. Silencieux, il y a des balles. Je pense que je vais prendre le revolver en haut. Je vais recharger. Attendez, je vais recharger. Voilà, ça c'est fait. C'est fait. Voilà, j'ai perdu 3 balles dans les autres pistolets, mais c'est pas grave, c'est parti. Où es-tu? Monsieur Wallace. Tu me fais pas peur, hein? Vous êtes revenu, Sébastien Castellanos. Ouais, mais cette fois la donne a changé. Vous ne m'échapperez pas. Stylé, mais j'ai peur. Pour moi, un jeu d'horreur, c'est pire qu'un film d'horreur. Parce que le jeu d'horreur, c'est toi qui a. C'est toi qui contrôle ton personnage. C'est toi qui as la responsabilité du personnage. Voilà. S'il crève, en fait, c'est à cause de toi. Là, je peux ouvrir. On va partir de l'autre côté. Moi je dis Castellanos, mais c'est vrai que c'est Castellanos. Oh, il y a plein de ressources là. Oh, il y a un miroir là. Pochette améliorée, fusil d'assaut. J'ai à fond, très bien, mais de toute façon, j'ai pas assez pour. Est-ce que je devrais me fabriquer des balles de fusil d'assaut en fait? Je pense que oui. Puis j'ai des balles de pistolet. J'ai ça. Je vais aller vers le miroir d'abord. Attends, il n'y avait rien d'autre? Attends, il y a quoi d'autre là? Il y a une porte, est-ce que je peux l'ouvrir? Non! Putain, le con! On dirait que c'est une salle secondaire.
J'essaie de pas faire de conneries en fait, hein. Ah. Ne dites pas, quand je vais me retourner, ça va être une autre porte. J'ai pas sauvegardé, rien du tout. On dirait bien que la porte là-bas, c'est pour faire la suite de la mission. Donc d'abord, je vais aller ici. Salut toi. D'abord, je vais aller voir Tatiana. Ça m'inquiète là pour la dernière photo. Vous n'avez pas bonne mine. Laissez-moi vous aider. Un autre sacrifice vous a permis d'arriver jusqu'ici. Bon sang. Pourquoi devait-elle mourir? Je les ai tous perdus. C'est une tragédie. Mais ils sont morts honorablement. Espérons que cela en vaille la peine. Je l'espère. S'ils étaient morts pour rien, je ne le supporterai pas. Alors vous devez vivre pour leur faire honneur. Pour la sauver. Pour que leur sacrifice ne soit pas vain. Vous avez raison. Allons-y. J'ai besoin de toute l'aide possible. Et de vous, Tatiana. Bref, hein. Bon, allez, parle-moi de la confronte. Il n'y a aucun mal à être trop prudent. T'as raison. Vous ne pouvez pas éviter la confrontation pour toujours. T'as raison, mais j'ai pas assez. Peut-être opter pour plus de compétences de combat. Peut-être. Ce que j'ai passé. Peut-être que si. Ah, attends. La vitesse de récupération de santé augmente si vous revenez d'une mort imminente. Ben, je ne peux faire que ça, donc. Pourquoi je peux pas quitter? Ah, voilà. Eh, j'ai vu un truc là-bas au fond. Je ne sais pas. Bon, voilà. De toute façon, je suis obligé de prendre ça. Un jour, j'aurai toutes les compétences. Il y a une partie plus, ça c'est sûr. Enfin, j'espère. Alors, amélioration d'armes. J'ai 175 pièces détachées. J'aurais pu améliorer le fusil à pompe. Ce que je devrais faire, peut-être, c'est améliorer la puissance de feu du fusil d'assaut. Hein. Je vais faire la vitesse de rechargement aussi. Alors, peut-être la cadence de tir. Ah ouais, mais c'est 100, j'ai pas assez. L'arbalète. La portée, je peux faire le carroir poneur. 60, j'ai assez. De toute façon, une chose qui est sûre, un jour je ferai ça. Voilà. Bon, ce sera un boulon supérieur, mais bon, ça on verra plus tard. Hop. On sauvegarde, c'est très important. Ah non, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Je n'ai pas effiné. J'ai oublié de me fabriquer des balles. Donc j'ai pas tellement de balles de pistolet, mais je crois que je vais faire des balles de fusil d'assaut. 46, trop tard, c'est empoché, c'est fait. Je vais me faire une trousse de premier secours. De toute façon, c'est soit ça, donc vaut mieux que je fasse ça. Hein. Voilà, c'est marqué sauvegarde, mais je sauvegarde toujours quand même. Voilà. Hop, on enlève le téléphone. Alors, sinon, ouais, j'ai aucune seringue, j'ai qu'une trousse de premier secours, donc ça sera vraiment qu'on n'aura plus de vie, hein, concernant le rouge. Si on meurt pas avant. Bon, préparons-nous à flipper, préparons-nous à pleurer, enfin j'espère pas. Pitié. Pas trop de screamers. Hein. Moi je suis un petit enfant. Là. Bonjour. Comme je vous l'ai dit, pas trop de screamers. Ah, combien? Je pourrais repartir faire de la création. Hein. Je pourrais repartir. Oh putain, c'est trop tard. Comme la dernière fois que vous avez voulu la je descends. Vous rêvez. Vous ne m'aurez pas. Ah l'enfoiré, ça me fait remonter. Bon, vu que là c'est. Mais attendez, je vous remets dès que je suis arrivé. Ce qui est bien, c'est que j'ai pu taper un grand sprint sans être fatigué. Allez hop, ça c'est fait. Au revoir, merci.
Pourquoi tu miaules? Bon, allez, on y retourne. J'ai sauvegardé, vous inquiétez pas. Sinon, on va recharger vite fait le fusil d'assaut. J'ai toujours le lance-flamme, au cas où. Je vais prendre le pistolet pour le moment. Regardez le sprint que je tape. Regardez le sprint que je tape là. Bon là je vais attendre parce que si jamais je dois courir, j'ai plus de sprint. Hein. Pas de screamer, pitié. Parce que moi j'ai peur là, vraiment j'ai peur là. Je suis en stress. J'ai la bouche pâteuse. Là je sors la cinématique vu qu'on peut pas l'enfoncer. Ouais, j'ai raison. C'est joli. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, putain, il m'a fait peur le con. Oh non! Dites pas qu'ils m'ont vu, hein. Je sais pas combien il y en a. Une bouteille. Au moment, c'est calme. Ou pas trop. Oh, ça dégage! Tu crèves. Il y en a un qui arrive là-bas. Il a disparu devant nos yeux. Ouais, c'est compliqué là, faut faire de la filtration. Sauf qu'ils sont deux, donc il faut qu'ils se retournent de toute façon. Pour le moment, je vais prendre ça. Je sais que c'est pas le moment, mais bon, après, sinon, il va disparaître. On sait jamais. Avant, ouf, il faut qu'elle allait se mettre en feu. Je pense que à peu près il était en feu. Quand un petit peu il était en feu, je pense. Oh, c'est quoi ce feu là-bas? Ça me rappelle le feu du 1. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Allez, viens, 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 viens. Parfait. Au bon moment. Le feu s'est arrêté. Ah non. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, c'est gentil. C'est bien, prends ton temps quand t'es en feu. Comme te suivre. C'est parfait. Au revoir. Il doit peut-être pas être content Théodore. Attends, je peux faire. Ah, ça c'est les mêmes leviers que le 1. Je sais pas si vous vous rappelez avec Laura le feu. J'ai tellement galéré. Attendez, avant d'enclencher les leviers, je vais d'abord. Putain, il y en a encore un là-bas. Ouais, il fait sa prière, il n'a pas l'air trop dangereux. Je vais contourner. D'abord regarder s'il n'y a pas autre chose à récupérer. Parce que là pour un boss final, ça serait con quand même d'oublier plein de choses. Un boss final, j'en sais rien. C'est même pas fini. Bah non. Boss final, ça dépend. Parce qu'on avait encore notre femme là qui avait pris Lily. Enfin après, je sais pas, on l'a vu normal, mais bon. Le truc gluant, je pense qu'il va revenir. Et puis Obscura. C'est fini avec Obscura. C'est dommage qu'on l'ait pas tué quand même. Hein. Elle me faisait pas forcément flipper. Quoi examiner? Il y avait un truc à examiner.
What? Les pièces détachées dans le sas? Il fallait le savoir, mon gars. Cette musique, par contre. Stylé, hein. Ça s'est fermé, bien sûr. Oh, elle est stylée cette musique quand même. Je dis pas que c'est une musique à écouter chez soi, tout ça, en soirée pour faire de l'ambiance. Non, je dis pas ça. Mais pour un jeu d'horreur quand même. Oh, comment elle recharge vite. Comme le 1. Dans le 1, je trouve que c'était peut-être un peu plus rapide. Je sais plus. Lui, il fait sa prière. On va pas l'embêter pour le moment. Je lui laisse prier encore un petit peu. Hein, et puis après, on va lui défoncer. J'ai pas vu autre chose. Non, c'est en fait c'est le petit point là, qui m'a fait croire, et le petit point en fait c'est pour se dire qu'on peut se mettre à couvert en fait. Bon, je vais le tuer et puis après on va enclencher le levier. Ce qui me fait peur c'est que c'est quand même une grande salle. Hein. J'ai peur d'un boss. Allez, il pue en feu. Non. J'ai cru que quelqu'un m'avait vu. Oh, merci, merci. Super sympa de ta part. On va enclencher le levier. J'ai peur. Vraiment, j'ai vraiment peur. Là. J'ai peur de ce qui m'attend. J'ai peur. Parce que j'ai pu m'hésiter. Oh non. Il n'y en a que deux. Et ils en ont fait voir deux. Hein. C'est marrant parce que quand j'ai vraiment peur que je me recroqueville sur moi, c'est vraiment la fin du jeu. C'est ça qui est bizarre. J'avais tout le jeu pour avoir peur. Bon, certes, j'ai eu peur à quelques fois du jeu. Je dis pas le contraire, mais... C'est surtout maintenant que j'ai peur de ce qui m'attend. C'est chiant la position qui est en fait. Il y en a plein encore. Ils sont tous regroupés. Allez, viens, toi. Dès que t'es plus en feu, tu viens vers moi. Oh, quel con. Bon, tant pis si je me fais repérer, mais au moins j'en aurais eu un. Ou voir deux. Oh, la chance que j'ai eue. Barre-toi maintenant. Au revoir. Ah, il est pas mort. Attends. M'en fous, je t'ai eu. Et là, j'ai plein de poudre à canon. C'est bien ça. En fait, je tue au fusil à pompe. Et quand tu tues au fusil à pompe, t'as plein de poudre à canon. Le truc chiant, c'est que je vais devoir me fabriquer des... Ouais, non, je vais prendre des balles de fusil d'assaut. Pour me faire chier. Fusil d'assaut. Après j'ai encore le lance-flamme, mais bon le lance-flamme contre eux ça fait aucun dégât. Ah, ça va être galère. Hein. Pour le moment munitions je suis pas trop bien. Hein, parce qu'il faut pas que compter sur le lance-flamme. Hein. Je sais pas, après le lance-flamme, je crois qu'il fait un peu comme un bazooka. Il envoie des lance-flammes missiles, enfin des flammes missiles, je comprends pas trop. Je sais pas ce que j'ai fait comme tour, mais en fait je cherchais les cadavres. Ils ont disparu. Continuons, servons les dents. N'oubliez pas d'aller pisser. Hein. J'ai un peu envie, mais j'ai pas le temps. Et voilà, je suis passé, c'est fermé. Sébastien, c'est un donnez-moi la puissance du noyau. Toujours les griffes de Mira. Pourquoi est-ce que tout le monde veut contrôler Union? On n'a pas vu assez Mira quand il s'était transformé. Là. Union dépasse la réalité. Union, c'est Mobius. Leur
leurs esprits y sont connectés. Contrôler Union, c'est les contrôler tous. Les contrôler tous, c'est contrôler le monde. Oulala. Si vous pensez que je vais aider un connard dans votre genre à contrôler des connards dans leur genre, vous êtes encore plus perché que je le pensais. Oh, trop stylé, comment il l'a dit. En fait, il a répété 36 000 fois la même chose. Oh, du gel rouge. Attends, on va chercher déjà dedans. Sauvegarde. Sauvegarde, les gars. Je suis pas bien. Des clous, très bien, c'est pas forcément ce que je voulais. Du gel rouge. Une pipe. Tu tombes, toi? Non. Putain, pourquoi ils nous font voir ça? Un miroir. Si, il y a forcément un miroir. Attends, je vais pas enclencher cette porte. Peut-être que si. Putain, mais il y a pas un miroir là. Et il donne plein de trucs, hein, bizarrement. Une lettre. D'abord les clous et ensuite la lettre. Écriture de Théodore II. Quand je serai devenu le noyau et que j'aurai construit... Ah, j'ai pas eu la première, je crois. Et que j'aurai construit ce nouveau monde à mon image, la réalité suivra vite. Mobius s'est déjà implanté dans toutes les couches de la société. Ils ont été assez bêtes pour s'implanter des bombes à retardement dans la tête. Ils se prennent pour des loups et considèrent les autres comme des agneaux. Mais le berger, c'est moi. Et je m'apprête à abattre le loup dès qu'il aura le dos tourné. Lorsque Union sera sous mon emprise, les jours de Mobius seront comptés. Dossier 36 sur 40. Fusible. Des flammes de partout, là, vraiment. Vraiment, j'ai envie d'aller aux toilettes avant. Il y a un miroir juste ici. Pas de statuette, ça c'est pas cool. Puis il y a plein de pièces détachées et tout, ça c'est vraiment bizarre. J'ai pas eu beaucoup de gel rouge. Tu miaules plus, toi. Non. Tu miaules plus. Ah, si, il vient de miauler. M'a fait merde. Alors, le gel. 3750. J'ai pas assez. J'aurais peut-être essayé le tir, en fait. Bon, bah. Voilà. Je suis obligé. Amélioration d'armes, 150. Visée à pompe. Qu'est-ce que je peux faire? Temps de rechargement peut-être? 150. Augmente la vitesse. Permet de diminuer le temps de rechargement. Ah, je sais pas. Allez. Parce qu'en marchant, si je recule, je sais pas si ça marche, en fait. Bon, tant pis, j'aurais fait ça comme ça. Rigolez pas, mais maintenant je vais aux toilettes, je reviens tout de suite, parce que j'ai peur. Alors contrairement, voilà, là je viens d'y aller, mais alors contrairement à ce que vous pensez, c'est pas parce que j'ai peur de faire dans ma culotte, non, c'est pas ça du tout. C'est que pour moi, en fait, quand t'as envie de faire pipi, tu stresses, en fait. Alors pour moi, ça, je retire du stress. Allez, hop. Pour moi, ça n'a rien à voir, mais bon. Après, c'est pour les deux solutions. Hein. J'ai qu'une balle de pompe, merde. À moins que, attends. J'ai trois balles. Ouais, j'ai trois balles, sauf qu'il tire deux balles en une fois. Allez, défoncer la porte automatiquement. Bon, je vois tout de suite si c'est une cinématique. Là, on peut monter. Enfin, on doit monter. J'avais pas oublié un truc, au fait. Je crois que j'avais oublié un truc, je suis pas sûr. Hein. Vérifie. Non, j'ai rien oublié, mais au moins j'ai vérifié. J'ai mon couteau en main, non, c'est pas une bonne idée. Prendre le pistolet. Vraiment, pour les plus jeunes d'entre vous qui regardent cette vidéo, ne regardez pas forcément, parce que là j'ai vraiment peur, je sais pas ce qui va se passer. Qu'est-ce que c'est?
Oh putain de merde. J'entends un bruit. Ah ouais, comment je fais? Oh non, tu vas pas me dire que... Oh putain, ça sent la merde. C'est comme dans le 1. T'as une balle de pistolet pour ça, quoi. Et tu me rends une balle, hein. Ah, y a des monstres. Il y a un masque de démon, lui. Je sais pas ce que ça évoque. C'est pour lui dire qu'on peut pas faire un headshot, peut-être. J'entends un démon de feu, là. Il est là. Merde! Headshot! Au revoir, 2 balles ça suffit, ça se voit qu'il y a amélioré. Hein. Je pense qu'il y a eu du coup critique. Putain! Mec! Calmez-vous! Oh merde! Il y a un mec au lance-flamme! Ne me dis pas que. Ne me dis pas qu'il peut passer. Hein. Voilà, au revoir. Putain mec, y'a un mec au lance-flamme là. Je l'ai vu hein. Ne dites pas qu'on est obligé de le tuer parce que j'ai pas assez de balles. Mais vraiment pas assez. C'est quoi ça? Pochette améliorée, mission pistolet, merci. Il va partir de l'autre côté hein. Non mais honnêtement, je pars de l'autre côté direct. Je flippe vraiment là. Y'a un mec au lance-flamme. Je crois pas qu'on est obligé de le tuer, mais bon. Plus j'ai pas de carreau explosif, j'ai rien. J'ai rien du tout. Je suis très pauvre en balle. Je suis très mal. Imagine, on est obligé de le tuer. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Au revoir. Non, il va se retourner. Vous le savez. Quoi? Il est là-bas, il est là-bas. Merde, il m'a vu. Arrête d'arriver badass comme ça là. Merde. Putain, il m'a pas vu le con. Putain, l'erreur. Allez, bien joué. Allez, allez, allez. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Dites pas que je vais libérer l'autre con là. Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Oh merde. Merde, je peux plus aller là-bas. Oh merde. Bon, a priori, je vois pas qu'il y a de choses. Je vois pas il y a de quoi là-bas. J'ai que 2 balles. Après, j'ai des autres pistolets quasiment remplis. C'est pas une raison. Que je dois tirer encore. Attends, il y a le truc là. Ouais. Est-ce que je peux juste donner un coup de couteau? Non. Et si on n'avait pas de balles, comment on fait en fait? Je suis sûr qu'il y a des balles qui traînent. Attendez, je vais juste aller là-bas avant.
ici ou là-bas, de toute façon c'était pareil à tirer en fait. Allez, 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 Sébastien, allez. Je vais être derrière au cas où. Ah, vraiment, je suis en stress total là. Ah, c'est sûr, je me suis dit pourquoi j'ai fait ce jeu. Dommage de jouer à Mario Odyssey avec mon meilleur pote. T'as pas intérêt à me tuer, enfin. Depuis que la vidéo a été enregistrée, parce que je mets pas tout de suite sur une vidéo par jour, j'y aurais déjà été, c'est le lundi. Pitié, faites pas les cons. Je sais pas si le mec au lance-flamme c'était un screamer. Alors où est-ce que je devrais aller? C'est bien là-bas. Sébastien, tu peux me rassurer parce qu'en fait tu parles pas. Tu peux pas dire Lily, tu es là, oui, des trucs comme ça. Attends, il y a des carreaux et tout. J'aurais peut-être ouvrir ça avant, mais j'ai pas trop confiance. Je sens que ça va attirer un boss ou un monstre. Enfin, un boss dans une salle comme ça, j'y crois pas trop, mais bon. J'y crois maintenant. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que... Non! Oh putain, merde, attends. Pistolet classique, il est où? Merde, 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 merde. Non. Trousse. Eh non, mais attends, mais tous les deux ils m'attaquent, donc qu'est-ce que je fais? Que je fasse, pardon. T'es à sec, bien sûr. T'es mort? Je crois pas. T'es pas mort? Ah là, t'es mort, frère. Ouais, t'es mort. Ferme-la, t'es mort. Allez, hop. Putain, ça m'a usé tellement de balles de pistolet. J'ai plus de balles, hein. Ils ont intérêt à me redonner des balles. J'imagine bien que oui, avant le boss, il va me donner... Putain, c'est tellement haut. On dirait que c'est la fin, là. Moi, je pense qu'ils vont me remettre un dernier miroir et un dernier miroir. J'espère, hein. Il faut jamais dire « je pense ». Il faut jamais dire. C'est soit tu le sais, soit tu le sais pas. Faut jamais dire je pense. Quand tu penses, t'as toujours tort. Même j'imagine, ça passe pas. Et je pense que quand ça sera le boss, il n'y aura plus cette musique. Et voilà, j'ai redit je pense. On pense pas, bordel. Surtout quant à ça. Dit l'ami. Considère comme un ami, toi. Cet ascenseur me rappelle vaguement quelque chose. Ah là 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 là. Le dernier point. Ouais, mais j'ai pas assez de... Même si j'ai des... C'est vrai, j'ai des balles en mitraillette. Mais ça sera pas suffisant, je pense. Ça sera pas suffisant. J'ai plus de balles de fusil à pompe, rien du tout. Petit chat, tu me fais un dernier câlin? Tu es certainement crevé. Bon, avant ça, on va aller voir Tatiana. Je peux peut-être faire quelque chose là. En combat, j'aimerais bien. Détendez-vous, inspecteur. Que puis-je faire pour vous? Que tu me donnes tout gratos. Parce que là, j'ai pas de clé, j'imagine. J'en avais trouvé une fois, mais après, voilà, j'avais perdu et puis il m'a pas pris en compte. Oui, je sais, ben. Il n'y a aucun oui, je sais. Trop prudent. Mais vous ne pouvez pas éviter la confrontation. Après là, je peux faire les attaques au corps à corps, mais bon, vous ce sera pas. Peut-être opter pour plus de compétences de combat. C'est quoi le recul? Ouais, je prends ça. J'ai un gel rouge, c'était pourquoi? Pendant un temps, les dégâts augmentent avec les pérennes. Lorsque vous avez plus de munitions. Ok.
Sinon, je peux plus rien faire, quoi. Voilà, j'ai pris une compétence de combat. Est-ce que tu es contente? Je peux te parler? Vous irradiez de puissance et de confiance. Pas du tout. Je me puissance, peut-être. Et j'ai appris des choses. Je veux seulement en finir une fois pour toutes. Je peux vous fournir de l'aide, mais... Mais quoi? Vous devez faire attention. Vous avez surmonté des défis, mais une confiance aveugle peut causer votre perte. Il vous traquera en utilisant les recoins les plus sombres de votre esprit. Alors je ferai bien de me préparer. T'es marrant. J'ai plus de poudre à canon, rien du tout. Tatiana, si tu m'aiderais... Tu me donnerais au moins, allez, 30 poudres à canon, ça m'aiderait. Tu sais quoi? Je crois que je vais me faire 3 balles de fusil à pompe. Ou alors des carreaux explosifs, je pense. 7. Allez, 7 carreaux explosifs, je m'en bats les steaks. Et une balle de fusil d'assaut. Je sais pas si j'ai fait le con, mais au moins j'aurais fait quelque chose. Oh, cette phrase est bien, cette phrase est très bien. Alors, temps de rechargement, je crois que j'ai passé, il faut 150, ouais. C'est la fin, donc il faut que je fasse quelque chose. Carreau harponneur. 120, ah, c'est dommage. Puissance de feu, 200, j'ai pas assez. Temps de rechargement, 30. Cadence de tir, c'est 100. Et après, je peux faire en 0,8 secondes, quoi. Ça va tirer des balles, mais... Je peux pas imaginer. Si j'y arrive un jour. De toute façon, ça sera pas en vidéo, certainement. J'ai tellement peur. Je vous jure, je suis pas bien, là. Soyez à ma place, quoi. Vous, en regardant, peut-être vous dites, ouais, ça fait pas peur. Mais soyez à ma place. Je vais me préparer. Voilà, seringue. Peut-être encore une, je suis un fou. Voilà. J'ai pas toute ma vie à fond, mais bon, tant pis. Imagine, il y avait un café. Non, il peut pas avoir de café parce que j'ai bu tous les cafés du jeu. Par contre, s'il y aurait eu un café après, j'aurais pleuré parce que j'utilisais mes deux seringues pour rien. Ce qui veut dire que j'aurais utilisé 6 herbes, quoi. Bon, je suis vraiment pas bien, là. Alors, là, j'ai plus de balles. Très bien. J'ai plus de balles, j'ai des balles. Je vais le mettre en haut. La suite est par où? La suite est par un ascenseur, quoi. Oh non. J'ai peur. Stylé, hein, vraiment stylé. Hein. Non, vraiment, j'adore cette comédie. Enfin, cette comédie, c'est bien une comédie, non? Vraiment, j'adore votre délire. Il n'y aurait pas des cartouches? J'ai bien dit des cartouches, j'ai pas dit des balles. Hein. Des carreaux harponneurs, t'es sérieux, mec? Il y a plein de sang par terre. Attends, avant que je vais devant toi, on va peut-être fouiller un petit peu, hein. Peut-être fouiller un peu, qu'est-ce que c'est que ça? Ça semble une libellule. On m'invite, c'est ça, portez-moi chance. Fusible. Après, vous allez me dire que je peux crafter 12 poudres à canon. Je peux toujours crafter si j'en ai besoin, mais ça va me coûter deux fois. Enfin, peut-être pas deux fois plus, mais en tout cas. Le truc est en bas. Rien d'autre là? Peut-être pas bien de mettre mes deux trucs comme ça. Non! Putain le con! J'ai pas fait le poids de résonance.
Oh, c'est nul comment il a été. Fallait mettre X pour Très y aller. Bien, si vous désirez goûter au désespoir, alors du désespoir, je vais vous donner. Lily. C'est toi qui as fait ça, papa. Juste 2 secondes, hein. J'ai très peu de temps pour vous faire ça. Hein. Tout va bien, mon ange. Je vais tout réparer. Mais vers moi. Hein? Regardez Théodore comment il regarde. Je t'aime tant, ma Lily. Je t'ai toujours aimé. Et je t'aimerai toujours. Ça n'a pas l'air d'être elle. Je vais te sauver. Je te le promets. C'est une vision. Vous avez évacué une partie de votre culpabilité et de votre douleur. Mais la profondeur de vos traumatismes passés est vaste. Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur vous. Je sais ce que vous cachez au plus profond. Votre profond puits de peur me donne toutes les armes. Vous avez vu tant d'horreurs, et elles hantent toujours vos souvenirs. Souvenez-vous où tout cela a commencé. Souvenez-vous de Beacon. Et ça sera pour le prochain épisode. Salut tout le monde. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et à vous abonner si c'est pas fait. Non, vraiment, parce que la vidéo va durer trop longtemps. Je vous laisse le combat pour la prochaine fois. Salut tout le monde.